Wonderful. Perfect. You can hear, same okay. Words. Yes. Yeah. So turn it on.
Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre soirée d'excellence. Je suis super heureuse de vous voir en si grand nombre. I'm Jennifer Lennox-Terrien. I'm the chair of the communication department. And as I said, I'm so thrilled to see all of you in such a large number here for our third annual doctoral conference. Donc, c'est notre troisième conférence annuelle du programme de doctorat. And I am so pleased, je suis tellement heureuse de reconnaître nos invités, le professeur Pierre Lévy et le professeur Marcelo Vitale Rosati de l'Université de Montréal. It's a huge and exciting evening for us. I can see that you're all ready to go. I'm only here to say welcome and to say how proud I am of our doctoral program, of our doctoral students who are here, two of whom will be your hosts for this evening, Pascal D'Angoise et Philippe Rodriguez Rouleau. So these are two of our excellent doctoral students who will be hosting you tonight. C'est quoi l'autre chose que je voulais dire? Que la prochaine chose que je vais faire, c'est de vous présenter à Dr. Kyle Conway, qui est notre directeur des études de deuxième cycle et troisième cycle, et de prendre ma place ici comme membre de l'auditoire. So thank you all for coming. I'll remind you, if you hadn't already noticed, we have a nice reception afterwards, so I'm hoping you're all hungry. So we'll see you soon. Merci. Thank you, Jennifer, and thank all of you for coming. I'd like to also thank Isaac Nehan Sirfati, who helped organize this. Je tiens aussi à remercier nos deux intervenants, le professeur Pierre Lévy et le professeur Marcelo Vitale Rosati, qui vont nous parler ce soir de la recherche à l'ère numérique. So this is our third annual doctoral conference. And we have also just welcomed our third cohort in our doctoral program. I wanted to give you a sense of what a doctoral program does for a department. Our students and the program have brought a renewed vitality to the department and an energy and a passion for research that has made it a very exciting place to work. And so this doctoral conference is in many ways a way to show off a little. It's a way to share that energy with you. Et donc, je vais passer maintenant la parole à deux de nos doctorants, Pascal D'Angoise et Philippe Rodriguez Rouleau, qui vont présenter nos intervenants et qui vont animer notre conversation ce soir. Merci beaucoup d'être venus. Thank you very much, and I'll turn it over to you. Bonjour tout le monde, bonsoir. Alors, professeur Pierre Lévy, ici présent, à côté de moi. La liste de vos réalisations est longue. En voici déjà quelques-unes. Titulaire de la chaire de recherche du Canada en intelligence collective à l'Université d'Ottawa. Professeur titulaire au département de communication. Membre depuis 2004 de la Société royale du Canada. Et surtout, important philosophe de la communication à l'ère numérique. Vos recherches portent sur l'ère numérique, l'intelligence collective, l'influence de l'Internet sur nos sociétés et les humanités numériques. Vous avez déjà publié plus d'une douzaine d'ouvrages, parmi lesquels Cyberdémocratie, Qu'est-ce que le virtuel, l'intelligence collective pour une anthropologie du cyberspace. In your 1994 book, Collective Intelligence, Mankind's Emerging World in Cyberspace, you developed the concept of a collective intelligence, a concept now widely used by many philosophers, many scholars. And further, since 2002, you have been the mastermind behind the massive information economy meta-language project, better known as the IEML language. This project aims to spread a new generation of cloud-based public communication services designed to foster reflexive collective intelligence through the use of a pivot programming language. A prototype of IEML was presented this summer in Bologna.
And practical tools using the language are on their way. Bonsoir tout le monde. Nous avons également le plaisir de recevoir ce soir Marcello Vitali Rosati, professeur agrégé au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Professor Marcello Vitali Rosati's works take a philosophical look at the cultural impact of digital technologies on the production and distribution of knowledge. And most notably, Professor Vitali Rosati distinguishes himself by his reflections on editorialization, so an emerging concept in the field of digital humanities that prompts reconsideration of the status of the author and authority in the internet age. And in that respect, two of your most recent books tackle this concept, which will be further discussed tonight. So on editorialization, structuring space and authority in the digital age, which was published this year, and L'édition à l'ère du numérique, which you co-authored with Benoît Epron, also published in 2018. Depuis 2015, professeur, exactement. Depuis 2015, professeur Vitali Rosati, vous menez vos réflexions au sein de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, dont vous êtes le titulaire. Avec vos collègues, vous repensez notamment le rôle de l'édition scientifique dans un contexte de support numérique. Et enfin, l'ensemble de vos intérêts de recherche convergent dans une revue que vous dirigez, Sens Public, donc une revue en ligne évaluée par les pairs qui pose un regard multidisciplinaire sur transdisciplinaire sur les impacts de la culture numérique sur les espaces publics. Alors, je cède la parole à ma collègue Pascal qui va introduire notre premier thème pour la soirée, pour cette discussion. Alors, c'est un fait établi que dans les médias ou le langage courant, que l'avènement du numérique a révolutionné nos vies. Or, cette affirmation trahit bien souvent une vision réductrice de ce qu'on entend par numérique. Une vision qui se limite à appréhender le numérique comme un mode d'enregistrement distinct de l'analogique, comme un simple moyen de communication, ou encore comme un synonyme d'Internet. Ce soir, nous avons la chance de compter sur la présence de deux chercheurs de haut niveau qui ne manquent pas d'élargir sur nos horizons en matière de numérique. Aussi, nous aimerions lancer la discussion sur les aspects les moins bien compris du numérique, dans la population générale, bien sûr, mais aussi parmi les chercheurs en communication qui sont ici et pour lesquels ce sujet n'est pas leur expertise. Professeur Lévy, je commence avec vous. S'agissant du numérique, quel aspect reste encore à ce jour sous l'angle mort? Qu'est-ce qui nous échappe quand on parle de numérique? Alors, avant de répondre à la question, un petit détail technique, le hashtag pour live tweeter la conférence, c'est Doctoral Conference, c'est ça? Doctoral Conference, voilà. Donc, pour ceux qui veulent... Et on prendra les questions qui auront été formulées sur Twitter à la fin de la discussion. Voilà. Bon, alors merci pour cette question. Je dirais que... ce qui est en train de se... Bon, il faut avoir déjà quelques proportions en tête. À la fin du XXe siècle, il y avait à peu près 1% de la population mondiale qui était connectée à Internet. Et aujourd'hui, on a dépassé les 60%. D'accord. Mais ce n'est pas seulement une question quantitative. On peut dire que l'espace de communication sociale ou l'espace de communication publique qui était principalement centré autour de l'imprimé, de la radio et de la télévision à la fin du XXe siècle, aujourd'hui est en train de tourner autour de l'Internet. Bon. Donc, un basculement qui s'est fait en moins d'une génération, donc à l'échelle historique, quelque chose d'extrêmement rapide, et qui continue, c'est-à-dire que dans les prochaines années, on va avoir 70, 80, peut-être même 90% assez rapidement de la population mondiale. Là, je ne parle pas des pays développés, je parle vraiment de la population mondiale. Bon. Alors, comment je caractériserais le nouveau mode de communication? Je dirais que il s'agit d'une communication stigmergique
par l'intermédiaire des données. Alors, la notion de communication stigmergique a été développée d'abord par les éthologues, les gens qui étudient les sociétés animales, en particulier les sociétés d'insectes, et on a remarqué que les fourmis, les termites, etc., ne communiquaient pas tellement animal vers animal, bien qu'ils se touchent un petit peu les antennes de temps en temps, mais surtout en laissant des traces dans un environnement commun que tous les animaux étaient capables de lire. D'accord ? Donc chacun laisse des traces et tout le monde lit ces traces. Eh bien, je pense qu'on est en train de basculer très rapidement vers une situation dans laquelle tout le monde contribue à la masse de données, à l'ensemble de la mémoire collective qui est aujourd'hui numérisée, puisque tout ce qu'on fait en ligne laisse des traces. En plus, on écrit, on laisse des images, on laisse des vidéos, etc., etc. Et les traces que nous laissons ne sont pas seulement des messages dans leur dimension explicite, mais il y a aussi une dimension affective très très forte. Le like, le partage, etc. Donc c'est un peu comme ces sociétés d'insectes qui laissent des phéromones dans l'environnement, marquant ainsi ou contribuant chacun à transformer l'environnement collectif. Est-ce qu'on peut faire un lien avec votre notion, professeur Vitaly Rosati, sur l'éditorialisation? Parce que dans vos travaux, vous mentionnez le fait que le numérique n'est pas immatériel, mais au contraire, il est créateur d'espace. Est-ce qu'on peut faire le pont avec ce que professeur Olivier parlait sur la stigmergie? Tout à fait. Quand je parle d'espace, j'ai un peu la sensation, j'ai toujours eu le sentiment que dans les années 90, encore, on considérait le numérique comme un faux espace, justement, c'était un peu ce que voulaient dire les termes cyberespace. Il y avait évidemment des exceptions, notamment Pierre qui écrivait dans les livres sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas pourquoi, là, maintenant, oui, on va continuer avec ces lapsus. C'est l'intelligence collective, il écrivait justement qu'il s'agissait d'un véritable espace et pas d'un espace séparé. Donc, l'idée de fond de l'éditorialisation, c'est qu'on peut penser l'ensemble des inscriptions, l'ensemble des traces, pour reprendre l'expression qu'utilisait Pierre, comme du bâti, quelque chose qui produit des agencements architecturaux, et c'est dans ce bâti-là que nous vivons. Donc, le web et le numérique, sachant que l'expression « le numérique » est déjà un grand raccourci parce que c'est une substantivation d'un adjectif et bon, ça veut dire pas grand-chose. Mais bon, disons, le fait numérique étant caractérisé par une présence forte de l'écriture, tout est écriture, les images aussi sont écriture, tout peut être lu comme de l'écriture. Alors, cette écriture fonctionne comme, par exemple, une salle. Hein. Donc, comme le disait Pierre par rapport à la stigmergie, je serais d'accord pour utiliser ces concepts aussi. C'est-à-dire, en écrivant, nous construisons notre environnement. Et puis, nous habitons dans cet environnement-là. Et alors, la question à se poser, c'est qui c'est nous ? C'est-à-dire que c'est pas nécessairement ces traces. Il est difficile de les identifier comme des traces d'agents humains ou pas, et la question même de où se situe et comment se définit l'humain est redéfinie. Donc, dans ce sens-là, je laisse un peu de côté, entre parenthèses, peut-être on pourra en reparler plus tard, la question de l'humain, et j'ai défini l'éditorialisation comme un ensemble de dynamiques qui produisent l'espace numérique, et ces dynamiques sont justement des interactions d'agents différents qui laissent des traces et ces traces structurent. Juste pour faire un exemple, parce que ça peut être un peu abstrait, quand j'achète un livre sur Amazon, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'écrire quelque chose dans une base de données qui structure la place que ce livre a dans la librairie Amazon. Concrètement, je les rapproche d'autres livres que j'ai achetés avant. Et donc, Pierre, quand il arrive, il va trouver sur le même rayon deux livres qui ont été achetés par moi simplement par l'effet que je les ai achetés. Donc, ça veut dire que mon geste d'acheter quelque chose est un geste architectural dans le sens qu'avec l'écriture que ce geste implique, je suis en train de structurer l'environnement dans lequel je vis. Là, j'ai fait un exemple commercial pour Amazon, mais on doit penser que la plateforme ensuite est reliée à d'autres choses, un moteur d'indexation des recherches, Google, etc., et que l'ensemble de toutes ces dynamiques-là structure un environnement large, complexe et multiple
qui est justement qu'on peut appeler l'espace numérique. Et l'éditorialisation essaye de comprendre ces phénomènes-là en remettant un peu en avant. C'est peut-être un peu étrange pour un anglophone parce que la centralité de l'édition dans l'imaginaire collectif francophone a un rôle différent, surtout du mot édition qui regroupe publishing and editing. Mais le pari, c'est de dire, en laissant ces traces et en les structurant, nous sommes comme en train d'éditer quelque chose. Donc, so I have a question about that. So you said that it becomes more difficult to know where the actions lie between the different machines or a human and the different traces that are left. Regarding that, what is the impact of the digital space on the traditional separation between the virtual and the real, between humans and computers? Does imposing such delineation make any sense within the digital space? So, first of all, I beg your pardon for my English, which is a kind of a spaghetti English, but I hope it's funny, at least. So, the separation between virtual and reality, it's a quite complicated topic, and I won't analyze the concept of virtual, on which Pierre has written a lot, and me too. But the one idea I want to question here, it's the idea of the separation. It's the idea of a self-standing space which is separated from the space in which we live. It is typically the idea of Matrix or movies like Existence. So you have the cyberspace, which is the space of fiction or the space of an alternative reality. This is not the case, and we can see it all the time using our devices and writing on internet, on the web, and so on. We are living a hybrid space, which is made by the interaction and the dynamics between digital and non-digital stuff. A very simple example. This room is a digital room. I mean, there are some people who are probably watching us on the streaming which has been tweeted 2 seconds ago. I'm writing to persons and people who are not here, but I actually have a relation with them and an architectural relationship. I mean, they are not immaterial. They are connected with this space with a particular protocol, a communication protocol, and so on. So this space is not only made by these walls and these chairs and these microphones and the lights and so on, but also by the protocol IP, TCP IP protocol, which is connecting us with other things and which is allowing the streaming of the conference. And so we have to look at this space as a hybridization of different infrastructures, of which digital infrastructure is a part of. My question could be addressed to both of you. So what are the implications for researchers in communication or social science if we have to think about putting an end to those binaries between virtual and reality? No, I think that now the researchers are working with data. This is the real stuff with which researchers are working, and they are analyzing these data through algorithms, analytic systems. And of course, this does not imply there is no that you don't have to bother about concepts, categories, theories, causal explanations. Of course, we still need this and more than ever, but our tools are algorithmic tools, and the stuff on which we are working are data. And these data represent the reality, and especially the social reality. Our communication, our interaction, the place where we are, and so on.
if you think about the way we inhabit the real 3D space, well, we use Google Maps. When I am in a new city, recently I was in Bologna, I was navigating into the city and finding the restaurant with my smartphone. There is no more distinction. There is, in fact, no distinction. And if you think about, let's say, a library, is it an alternative reality? Is it a virtual reality just because it's just symbols on paper and not material things? No. I think human beings live from the beginning in a symbolic world. And the real, I wanted to say the real virtual, the real virtuality is meaning, is symbolization, is the signified who correspond to the signifier. It's already virtual and it's already part of the human fabric from the beginning, even before the digital. I would like to add something on this. I think the most important problem we have when dealing with this boundary between digital and non-digital is what I would call the ideology of authenticity, which is very dangerous in my opinion. And this is can be resumed like there are authentic stuff which are non-technical and so human, and then on the other side there are inauthentic stuff which are related to technology and so on. Typically, an example, we are here in presence, but we are, so we are talking, and this is authentic, but if we are talking on Skype or in a video conference or chatting on Facebook, this is not for real. This is not authentic. And this is a symptom of a profound incomprehension of what all this is about. And this created this shift between two worlds. And I think this ideology, which is a religious ideology actually, is the ideology of presence, and which is based on religious... Mais j'avais envie de vous poser, désolé, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça nous dit sur nous, ces craintes qu'on a envers le numérique, cette volonté de vouloir mettre une barrière et de vouloir la séparer, qu'est-ce que ça dit des êtres humains? Ben, moi, je dirais que nous avons tendance à naturaliser la dernière couche technosociale. Hein, on utilise l'imprimerie, la radio, la télévision, tout ça, c'est normal, ça apparaît naturel. Mais la dernière invention technique, c'est elle qui apparaît artificielle. Et d'ailleurs, c'est même frappant parce qu'à l'intérieur de l'informatique, on appelle intelligence artificielle les développements les plus récents de l'informatique. Mais ce qu'on appelait intelligence artificielle dans les années 1980, ce n'était pas tout à fait la même chose, parce que maintenant, c'est complètement passé dans les mœurs. N'est-ce pas? Donc, il y a cette espèce de décalage, cette façon que nous avons de naturaliser la culture du passé, finalement. Mais je dirais que, donc ça, c'est sûrement vrai, si on lit Proust au téléphone dans la recherche, bon, le narrateur de la recherche qui appelle sa grand-mère et a ses sentiments de magie. Donc, c'est évidemment magique le fait de pouvoir, et aujourd'hui, évidemment, personne ne dirait qu'une conversation téléphonique est virtuelle, hein, ou pas authentique. Ça, c'est tout à fait vrai. En même temps, je dirais qu'on a aussi un besoin de ne pas naturaliser la dernière technique, probablement parce que notre préoccupation, on a une préoccupation de définir l'humain. Et définir l'humain par opposition à la technique, est une excellente stratégie. C'est-à-dire, ce que nous dit l'intelligence artificielle, c'est pas la question à se poser, ce n'est pas si l'intelligence artificielle pourra arriver à penser comme un homme, un être humain. C'est pas ça la question. C'est qu'est-ce que nous dit l'intelligence artificielle de ce que nous pouvons penser être un être humain. C'est-à-dire, nous nous définissons en tant qu'être humain en opposition par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à ce que nous déterminant comme non humain. Je suis un humain parce que un ordinateur ne peut pas, exemple, un ordinateur ne peut pas comprendre l'ironie.
moi si. Donc, je suis un être humain. Le jour où l'ordinateur comprendra l'ironie, ben là, il va falloir trouver d'autres stratégies pour m'identifier. Oui. Parce que sinon, je deviens comme une machine. Et c'est la même chose qu'on retrouve avec les animaux. L'homme est un animal rationnel. Non, mais les animaux aussi pensent. Ben, alors, l'homme sera quelque chose d'autre. C'est une nécessité de définir l'humain. Et peut-être la solution à tout ça, c'est que pourquoi nous sommes tant angoissé de définir l'humain. On pourrait plutôt penser à des systèmes stigmergiques où l'humain, finalement, est un contre-coup de relation, plus qu'être un quelque chose d'essentiel qui, après, génère la technique. Ben non, nous sommes l'humain et ce qui émerge d'une série d'interactions dont le numérique fait partie. So I would like now to turn on our attention to the second topic of this conference. So we would like to start thinking about what does it mean actually to do research in a digital environment and what are the impacts on the researchers themselves. So my first question would be addressed to you, Professor Vitaly Rosati. So earlier you talked about editorialization. So that refers to all our interactive and collective interactions and how it structures the digital space. And in your work, essays and articles, you also bring up the fact that editorialization, has had a major impact on academic editing, most notably on the concept of authorship and authority. So could you tell us how has it been the case? Could you please delve a little bit deeper into this topic that I'm sure will be of interest for all the many accomplished researchers and emerging researchers in this room tonight? Yes. The first thing I try to develop in my research is that authority is a question of space, of architectural organizations. Very simple example to be really quick on this. You are listening, the public are listening to us because of this structure of the room. This architectural structure is producing our authority. What's authority is the fact that you are inclined to think that what we are saying is worthy to be listened to. The condition of authority that is that you are not obliged to. There is nobody who is forcing you to be there and to listen to us, first thing. And the second thing, that there is no rational argument. Nobody has demonstrated mathematically to you that Pierre and I and you are worthy of attention. But it's just that you arrive here and you interpret the structure of the room. You doesn't know anything about what is going on, but you arrive here and you say, okay, this guy probably has something to say and it's probably interesting. So this, we are able to interpret all this structure in the pre-digital world. You come in a room, you look at it, and you identify where the authority is. You can identify it in institutions, in a town, the big building, which is the building of authority, and so on. We are not used to identify this structure in the digital space because we are not used to living it. It's new or something like new, not that old. And so there are other forms of authority that are emerging, but we are not used to them and we are not able to identify them quickly. And on the other end, we have the problem that ancient forms of authority don't like very much to have this competition with other forms. So the first example, the authority of Google. Google has a huge authority in research because actually even in academical research, it is the first tool that we use to find something. And he is indexing things and saying to us what is worthy to read, and just we listen to it without understanding how it works, because nobody of us can actually do it. And this is a new form of authority which acquire an editorial importance, which is difficult to accept for instance, a traditional publishing house. Mm-hmm. Who says, okay, but I'm producing the authority. I'm publishing the monograph peer-reviewed of Pierre Lévy, who is professor there, and so on. But
Google doesn't, I mean, okay, is it indexed or not? Can I find it? Because if I can't, it has no visibility and no authority, even in an academical circle. So I think we have to deal with new emerging forms of authority, which are created by a particular structure of the digital space, so algorithm, protocols, relationships between pages and data and so on. And we have to try to figure out how we want to deal with that from an also from an institutional point of view. Par rapport justement au concept de l'autorité et de la stigmergie, qui est un concept que j'aime beaucoup en fait, je me demandais si on pouvait peut-être penser à l'impact de la stigmergie, de laisser des traces, sur la création d'autorité dans les mouvements sociaux, par exemple. Ah, dans les mouvements sociaux, parce que moi, je pensais, mais je peux revenir... C'est pas obligé d'être dans les mouvements sociaux. Mais, oui, non, mais dans les mouvements sociaux, c'est presque évident, mais en écoutant ce que disait Marcello et la question de Philippe, bon, moi, je fais l'hypothèse que dans quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, il va y avoir dans les sciences humaines et dans les sciences sociales une révolution scientifique comparable à la révolution scientifique dans les sciences de la nature qui a eu lieu au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que toutes les données concernant l'humain sont désormais disponibles et sont en train de s'accumuler et de plus en plus transparentes, bien que ça soit encore très opaque. Et nous avons la puissance de calcul pour analyser ces données. Et il est possible qu'on se retrouve peut-être dans un siècle ou deux avec des sciences humaines et des sciences sociales qui soient aussi unifiées que le sont les sciences de la nature aujourd'hui, avec un vocabulaire, des concepts et des articulations d'un niveau à l'autre, comme le niveau physique, le niveau chimique, le niveau biologique, le niveau des écosystèmes, les sciences de la Terre, etc. Mais personne ne conteste la façon de catégoriser les théories principales de toutes ces sciences. Bon, aujourd'hui, on a des sciences humaines, des sciences sociales qui sont très partagées entre différentes disciplines, très segmentées en différentes théories, en différents points de vue. Et on est en quelque sorte dans la situation de l'alchimie au Moyen-Âge ou d'un cosmos partagé entre le ciel, la terre, différents points de vue, etc., avant l'unification qui a eu lieu au XVIIe siècle. Alors c'est possible d'imaginer que dans le futur, grâce à cette révolution numérique, en tout cas se basant sur cette révolution numérique, révolution d'abord technique, mais qu'ensuite il y ait des conséquences épistémologiques très profonde. Alors maintenant, pour répondre à ta question, je suis désolé, je suis trop long, mais je voulais formuler cette hypothèse d'une révolution scientifique dans les sciences humaines à venir. Je crois qu'on a vu, par exemple, dans les révoltes arabes et dans beaucoup de mouvements sociaux, des types d'organisations non centralisées, auto-organisées, qui ressemblent énormément à ce qu'on peut voir dans la communication stigmergique des autres animaux, mais bien sûr avec une conscience réflexive, avec un dialogue, avec une symbolisation, avec des perspectives, avec une vision que, évidemment, les animaux n'ont pas. Donc, oui. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Alors, ils font évoluer les mentalités, ils font évoluer la culture, ils transforment profondément l'état de l'opinion. C'est une force dans l'espace public, mais au niveau politique, là où ça se passe encore, au niveau des États-nations, des gouvernements, etc., il semble que ce ne soit pas suffisant, en tout cas pour le moment. Si on regarde le résultat du printemps arabe, bon, à part la Tunisie, mais dans le reste, il faut le dire franchement, c'est un échec. D'accord ? Donc il y a aussi encore besoin de formes d'organisation classiques. Pour le moment, peut-être c'est juste une étape, hein.
peut-être. Yeah, I have actually I would have a follow-up question on that. Can I? It's okay. Sure. Sorry. So in your most recent book on editorialization, you state, if authority depends on space, it is crucial to know how the space is produced and whether it can be considered a public space or not. And Professor Levy just talked about the private and the public space. So I'm wondering, are digital authorities, well, actually you state, are digital authorities private or public authorities? And could you expand on this idea a little further? Thank you very much for the question, because it is what I wanted to add to Pierre. Yes, actually, the one important element that we have not to forget, for example, if you are thinking about social movement and social movements and events like that, is the fact that the space in which these movements emerge is not neutral and it's not empty. Like when we arrive in Osman, the architect of Napoleon III, decided to completely remake and restructure Paris. So he erased all the medieval Paris for many reasons, but the first was that having a large boulevard made impossible to have social movements in the street, because you can easily manage people in a large boulevard, which is more difficult in a little medieval street. So the space is structuring our behaviors and what we actually can do in it. We can try to détourner, hijack. I don't know if the English word détourner works very well, because it's the situationist point of view of using in an alternative way the space. But we have to start with what we have. So we can here decide, okay, we don't want a conference anymore, we will have a workshop. But we must start to put the chairs other way. The same thing is on internet. I mean, these social movements were canalized by platforms which are owned by private companies and which have, they are not evil, they just have their own interests, and they structure the way we can behave. So I think we have to analyze, and today the most important actors of the production of the digital space are Google, Twitter, perhaps not Twitter, but Facebook, and huge private companies. So the question of how we can make public the space again, in my opinion, is a crucial question we have to ask today. How we can act as citizens, trying to produce spaces where we can share things, where we can, and in order to share, the space must be regulated by us. I cannot do what I want if the space is imposed by a private company. So it's about how to create commons. It's about the common movements is actually on this mm-hmm. topic is about how to create commons, common values, common point of view, and space where we can democratically evolve. And do you think that editorialization can be actually used to further capital and private interests? Is that a danger? Yes, it is. My idea is, I'm not a pessimist about the digital, and so I share the enthusiasm of Pierre about the possibilities that we have. But we have to be realistic, and today the dynamics of production of digital space are owned by 5-10 companies. That's the truth. We could say, okay, but before
the web, it was not that different. I mean, authority has always been concentrated in some places. Today we have opportunities. It is very easy to do something else, to produce little spaces where we can actually be our place. This is very easy. Yes, but your little community, or it's what we try to do with Sens Public, so a journal can be this space. Yes, okay, but you cannot compare Sens Public with Google. I completely agree, and it's not my purpose. I'd like to have a public space where I can produce a vision of the words, I can express myself, I can have a democratic discussion, and so on. This won't be the hugest space of the world. Google will be way huger than this. But the important thing is that I can create this space. It could be for an academic community, could be for a feminist cause, or whatever, or to discuss problems of I don't know, of syntax and semantics. I mean, whatever. But we have this possibility. Voudriez-vous ajouter quelque chose sur le sujet, Professeur Lévy? Enfin, en écoutant ce que disait Marcello, je pense, bon, je suis tout à fait d'accord. Il y a cette question des plateformes qui, aujourd'hui, sont en quelque sorte le contenant de toutes ces interactions et qui se prêtent à ces interactions stigmergiques. Mais il ne faut pas oublier aussi les conflits qui sont internes aux sociétés. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les plateformes, mais il y a aussi les gouvernements, les États qui exercent des pressions très fortes sur les plateformes en question. Voir par exemple en Chine, le rapport entre les plateformes et le gouvernement est très étroit, beaucoup plus étroit par exemple qu'aux États-Unis, et il l'est déjà aux États-Unis. Et puis il y a tout cet univers d'usines à trolls, de bots, etc., avec lequel il faut aussi compter. Donc, oui, il y a de nouvelles possibilités d'expression, d'organisation, de coordination, mais en même temps, si vous voulez, il y a des forces opposées qui s'emparent également de ces nouveaux outils. Et tout cela demande une conscience critique, une capacité de détecter ce qui est en train de se passer, une capacité d'analyser, de comprendre quels sont les agendas des acteurs, de comment ils sont organisés, etc. Et ça, c'est entre autres le rôle de l'éducation et de l'université où nous sommes, de former des citoyens qui est l'esprit ouvert à la complexité de tous ces problèmes. Alors, si vous le voulez bien, on va passer au troisième et dernier thème de notre conférence. J'aimerais qu'on puisse discuter peut-être des défis que représentent les métadonnées pour les chercheurs en communication et en général pour les sciences humaines et sociales. Mais avant d'y venir, donc, professeur Lévy, pour ceux qui ont lu vos travaux, lu vos blogs, suivi vos séminaires, ils savent donc que vous parlez souvent du médium algorithmique comme étant en quelque sorte la dernière technique de manipulation symbolique en date après les formes ancestrales qu'ont pu être l'alphabet, l'écriture et plus récemment évidemment les médias de masse. Or, une de vos thèses, c'est qu'on n'avait pas encore développé jusqu'à maintenant le langage ou le métalangage pour vraiment exploiter au maximum les potentialités du médium algorithmique. Et c'est ce sur quoi vous avez travaillé au cours des 10 à 15 dernières années, le langage IEML. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez peut-être nous développer, élaborer là-dessus. Et quelle a été la genèse de ce projet de recherche? Alors, d'abord, je voudrais remercier le secrétariat des chaires de recherche du Canada, l'Université d'Ottawa, et le département de communication. Je remercie tous mes collègues pour leur indulgence, parce que j'ai travaillé d'une façon très concentrée sur un sujet peut-être un peu extraterrestre. Pour moi, il est évident qu'il faut que nos outils symboliques soient adaptés à nos outils techniques et qu'ils soient surtout capables d'exploiter leur puissance. Que moi, je travaille, disons, au service
de la puissance cognitive, non seulement des individus, mais des collectivités, et parmi toutes les collectivités, la communauté scientifique. Bon. Alors, c'est ce qui m'a amené à imaginer une langue. Alors, une langue, c'est-à-dire un instrument qui, de communication et de pensée qui permet de dire tout et son contraire, d'accord, comme le français, l'anglais, le chinois, etc., comme les langues naturelles. D'accord. Donc, une langue qui ait cette capacité de tout dire, mais qui, en même temps, puisse être traitée et comprise par les ordinateurs, c'est-à-dire qui puisse être manipulée par des algorithmes. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons des langages qui peuvent être manipulés par des algorithmes, mais ce sont des langages qui ont une syntaxe absolument régulière, contrairement aux langues naturelles, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de langue avec une sémantique calculable. Parce que les langues naturelles sont très irrégulières, elles sont faites pour être traitées par les cerveaux biologiques des êtres humains. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne de manière très contextuelle, etc. Donc, je me suis concentré pendant des années pour construire une langue qui ait non seulement une syntaxe régulière, mais une sémantique régulière, c'est-à-dire une sémantique qui soit exprimée d'une manière entièrement syntaxique. D'accord ? Uniquement en suivant des règles. Donc, ça veut dire une langue à la fois que des humains peuvent comprendre et qui peuvent s'approprier, mais qui peut être traitée et comprise, entre guillemets, par des ordinateurs. Alors, si on pouvait avoir cet instrument, je pense que ça changerait de fond en comble la manière dont la mémoire collective est organisée, la façon de rechercher dans cette mémoire et la façon justement d'analyser les données pour en retirer de la connaissance. Voilà, ça c'est le projet en général du UML, c'est un projet énorme. Je voudrais remercier Marcelo aussi parce qu'il y a un gros projet de recherche en cours pour refaire les revues savantes dont Marcelo est la tête de file, le leader, et il a accepté d'intégrer un petit essai d'IEML dans ce cadre. Donc là, ça serait une des premières applications. Pour être bien sûr de comprendre, l'être humain garde quand même tout son contrôle, parce qu'il faut qu'il catégorise donc les contenus dont il fait la curation en ligne selon le langage IEML, c'est bien ça? Voilà. Okay. Alors, bien sûr, on peut imaginer qu'il y ait une catégorisation automatique en IEML, d'accord ? De même que Google n'indexe pas toutes ses données à la main, on peut imaginer qu'il y ait une catégorisation automatique. Mais évidemment, dans mon esprit, c'est l'humain qui doit avoir le contrôle. C'est lui qui décide quelles sont les catégories, bien sûr. Et de toute façon, c'est toujours des humains qui programment les outils qui vont catégoriser automatiquement avec un feedback, etc. Donc, c'est un processus en cours. Hein. Je peux ajouter quelque chose? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on pourrait justement se débarrasser de cette idée, est-ce que c'est l'humain ou pas qui garde le contrôle? Oui, voilà. C'est-à-dire que, évidemment, c'est plutôt l'inverse. Alors, l'impossibilité d'exprimer la sémantique via une syntaxe est un mythe qui est au centre de plusieurs discussions philosophiques, typiquement Searle et l'expérience de la chambre chinoise, donc, où Searle essaye de démontrer que ce n'est pas possible. Mais pourquoi toute cette angoisse de démontrer qu'un ordinateur ne peut pas produire du sens, donc de la sémantique? C'est parce que le sens est du côté des humains. Or, ce qui me paraît très intéressant de l'idée des IML et de comme Pierre l'a pensé, c'est que, en fait, le sens est le fruit d'une négociation entre une série de facteurs et d'agents, et que peut-être l'humain est ce qui émerge après. C'est-à-dire que, oui, après, il y a une interprétation qui émerge, et peut-être on peut appeler cette interprétation-là humaine.
Mais l'interaction qui produit l'essence, qui s'est faite entre plusieurs acteurs, dont le médium algorithmique fait partie intégrante, est-ce qu'on est vraiment obligé de dire ça vient de l'humain ou pas? Parce que cette différence devient un peu bizarre à les moments où... Surtout dans ce cas, oui. Bah oui, c'est Pierre qui est en train de catégoriser. Oui, mais il catégorise sur la base d'un système technique qui donc implique qui le contraint à catégoriser d'une certaine manière. Et une partie de cette catégorisation, il va la calculer. Sinon, aucun intérêt d'avoir un langage technique. Oui. Donc, il y a une stigmergie peut-être là aussi qui s'est fait entre l'humain et le non-humain, qui fait en sorte que finalement, ces catégories ne doivent pas être des catégories de départ. C'est-à-dire, au lieu que défendre le contrôle de l'humain sur la machine, moi, je n'ai pas si peur que ça des machines. Essayons plutôt de penser comment se font des interactions et à partir de quel type d'interaction nous pouvons, après coup, définir ce qui nous intéresse comme humain, si on veut, mais peut-être simplement comme sens. Parce qu'à la fin, peut-être, on devrait défendre les sens plus que défendre l'humain. Oui, c'est ça. Bon, c'est... De toute façon, on vit déjà depuis très longtemps, depuis des siècles, dans une symbiose entre des systèmes techniques et une population de primates parlants, qui est l'être humain. Et bon, si on essaye de reprendre la question anthropologique dès le point de départ, Homo sapiens, c'est à la fois le langage, c'est une technique qui tout de suite commence à proliférer et c'est des institutions sociales de plus en plus complexes et à la fois le langage, différentes sortes de langages, différentes sortes de codes, etc., différents types de techniques, différents types d'institutions, tout ça rentre en symbiose et le sens humain, c'est-à-dire l'humain, englobe tout ça. Ce n'est pas seulement les primates. N'est-ce pas? C'est tout leur environnement, toute cette complexité qui est non seulement technique, mais symbolique aussi. Donc, à mon avis, on arrive à une nouvelle étape. Et je crois qu'il faut être responsable et mettre à jour notre logiciel symbolique par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Alors, en fait, pour faire suivre à cette discussion, j'ai une question que je n'arrive pas tout à fait à formuler comme il faut. C'est une question pour vous deux, en fait. C'est en parlant d'interprétation, de sens, de division, qui est un mythe entre l'humain et la machine, et aussi le concept de l'autorité, je me demande quel impact ça pourrait avoir sur les chercheurs, sur leur recherche, sur la façon de la faire, la façon de la penser aussi. Bon, enfin, je voudrais dire quelque chose. Si on regarde... Le système qui organise les bibliothèques, d'accord? Les universités, ce sont des rassemblements humains autour de bibliothèques, qui sont des choses bien matérielles où les livres étaient entreposés. Bon, si les livres sont entassés comme ça, sans ordre, on peut pas exploiter la bibliothèque. Donc, il faut un moyen de catégoriser, d'organiser ces livres. Au 19e siècle, M. Dewey a inventé un système. D'accord, le fameux système décimal dans lequel il y avait des disciplines, il y avait une dizaine de grandes disciplines, à l'intérieur des sous-disciplines, et puis les sous-disciplines en grands sujets. Bon, si aujourd'hui on regarde ce système Dewey, on se rend compte que les disciplines ne sont plus les mêmes, les sujets ne sont plus les mêmes, c'est violemment... occidentalo-centrique, les centres d'intérêt de l'époque sont plus du tout ceux d'aujourd'hui. Donc, alors oui, les systèmes utilisés par la Library of Congress sont un peu plus évolués, mais toujours aussi rigides, c'est des systèmes de classification. Donc moi, mon idée, c'était de dire, au lieu d'utiliser un système de classification ou une ontologie, d'accord, quelque chose, un réseau de relations bien fixées entre des concepts, pourquoi ne pas utiliser tout simplement une langue? Ce qui permet de tout dire, ce qui permet d'être très souple, et ce qui permet aussi, pour tous les utilisateurs de la bibliothèque numérique, de catégoriser les objets comme ils le veulent, de leur propre point de vue. Si cette langue est lisible par les ordinateurs et que ça peut permettre de faire des recherches, des rapprochements, etc., ben,
pourquoi tout enfermer dans des catégories rigides? Donc passer d'un système de classification déjà donné à une langue qui permette à tout le monde de catégoriser les objets comme il le veut, sachant que cette langue peut être traduite dans toutes les langues naturelles et qu'elle peut être exploitée par notre environnement algorithmique. Donc on voit tout de suite, enfin, à mon avis, tu vois comment ça peut être très utile aux chercheurs. Parce que c'est la bibliothèque, au siècle dernier, c'était l'outil numéro un. Mais aujourd'hui, c'est les données. Or, à mon avis, nous sommes en grand besoin d'un nouveau système de métadonnées, si vous voulez, comme les cotes de la bibliothèque, mais quelque chose de complètement souple et qui se retrouverait entre les mains de tous les utilisateurs. J'ajouterais peut-être une note, sur ça et un aspect institutionnel. C'est-à-dire que un des problèmes qu'on a actuellement dans les domaines de la recherche, à l'intérieur des institutions de recherche, donc typiquement l'université, c'est que toute l'institution est construite sur des présupposés qui sont pré-numériques, typiquement l'évaluation de la recherche. Alors, comment on fait pour attribuer des crédits à quelqu'un, par exemple, je fais un exemple très simple, mais qui rentre là-dedans, à quelqu'un, par exemple, qui contribue à écrire des articles sur Wikipédia? Il est impossible. Parce que nous avons pas, donc nous avons des artefacts intellectuels comme l'article, la monographie, etc., et surtout en sciences humaines et sociales, auxquels nous sommes attachés. Et tous nos CV et notre évolution dans l'institution des recherches sont basés sur ça, sur ce qu'est la connaissance, aussi sur un classement qui est celui qui est rigide, etc. Et c'est une division claire du travail entre homme et machine. Si on disait un groupe de chercheurs trouve un sciences humaines, trouve un résultat en utilisant un calcul algorithmique sémantique et puis écrit un texte écrit à plusieurs avec aussi des non-chercheurs et puis aidé par des algorithmes, un directeur de département, au moment de la promotion, il dirait: il a fait quoi ce type? Et il serait impossible de le créditer. Et alors, réfléchir à des systèmes pour institutionnaliser des nouvelles formes de recherche devient fondamental. Je ne sais pas, l'idée de qui a été proposée d'utiliser des systèmes comme Git, des protocoles comme Git pour voir le type de contribution à un projet collectif d'autres outils de ce type-là deviennent indispensables, mais ces outils-là ne sont pas que des outils. C'est une réflexion de fond sur la structure de l'institution de recherche. Donc je pense que ça, c'est une réflexion que nous devons avoir, savoir ce que c'est que faire de la recherche et renégocier la place de les chercheurs individus, le génie qui trouve tout seul, qui écrit, qui pense tout seul et qui écrit finalement ou des monographies ou des articles parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Je vais vous poser une toute dernière question, après quoi on passera aux questions de l'assistance. Toute dernière question, si on fait un lien avec ce dont on a parlé dès le début, la création d'espaces numériques et le langage IEML, quels nouveaux espaces numériques on est susceptible de créer avec IEML qu'on n'est pas capable de créer encore? Ce serait, je vous laisse le mot de la fin, Pierre Lévy, ensuite Marcello Vitali, ou dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Bon, alors, merci pour cette question. Je m'excuse, je vais parler en français parce que la passion peut mieux s'exprimer. Bon. On voit aujourd'hui émerger des phénomènes d'intelligence collective sur Internet. Ces phénomènes sont captés par les plateformes. Bon, par exemple, Google. Qu'est-ce qui fait que Google est tellement utile? C'est qu'il utilise l'intelligence collective des internautes qui créent des liens d'un site vers un autre et eux, ils enregistrent tous ces liens. Et ceux, les sites qui reçoivent le plus de liens par les sites qui eux-mêmes reçoivent le plus de liens, c'est eux qui arrivent en haut. Ce n'est pas Google qui a décidé, ils ont pris en compte. En fait, ils ont représenté d'une manière, en créant une liste, mais ils se sont alimentés de cette intelligence collective. Ça, il faut pas l'oublier. Parce qu'on parle toujours des algorithmes, des plateformes, etc. Mais au départ, c'est des gens qui font des choses. Hein. Bon. Bon, ça, c'est un exemple. Mais il y a de l'intelligence collective. Il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, à une échelle beaucoup plus vaste et à une échelle globale, ça, c'est complètement nouveau. Mais
cette intelligence collective n'est pas réflexive. Il est très difficile pour les individus de se faire une image claire des opérations cognitives des communautés à laquelle il appartient et aussi de sa propre participation à ces opérations cognitives. On reste un peu dans le noir. Il y a plein de communautés un peu séparées les unes des autres. On ne sait pas ce qu'on fait. Et surtout, les données sont revendues à des sociétés qui s'en servent à des fins de marketing commercial ou politique, etc., ne sont pas renvoyées aux individus qui les créent. Donc, ce qu'on peut imaginer, pour moi, l'idéal, enfin l'utopie, je ne sais pas si on va y arriver, mais je crois que c'est la direction dans laquelle on doit aller, c'est une intelligence collective réflexive. Et l'idée d'IEML, c'est aussi, grâce à cette possibilité de manipulation algorithmique du sens, de la sémantique, de permettre justement de produire des images des processus cognitifs des communautés qui interagissent sur l'Internet et de renvoyer ces images aux gens qui font cette intelligence collective. Donc, la réflexivité. Le mot de la fin pour vous, professeur Vitaly Rosati. Merci. Je vais être moins utopiste que Pierre, et donc il aurait dû parler après moi, parce que je vais donner un exemple concret de ce que Pierre disait et réalisable dans l'immédiat, et justement en vous faisant l'exemple de ces projets dans lesquels nous sommes impliqués tous les deux, et où IEML justement va être utilisé. L'idée est, c'est repenser ce que c'est qu'une revue savante en sciences humaines et sociales aujourd'hui, et l'idée c'est, bon, c'est quoi? C'est un espace public. Si c'est un espace public, en effet, il doit mettre en œuvre cette intelligence collective réflexive dont parle Pierre. Donc, ça veut dire que ça doit être un ensemble de, oui, si on veut, personnes, textes, mais aussi concepts, mais aussi toute autre forme de traces qui rentrent en contact, et que les agents qui évoluent à l'intérieur de cet espace doivent être aussi, et c'est comme ça que je comprends la notion des réflexivités que décrivait Pierre, doivent aussi être les acteurs de la structuration de l'espace où ils évoluent. C'est-à-dire, ce n'est pas juste j'arrive là, puis tout est fait, puis moi je peux tweeter, je peux écrire mon statut sur Facebook. Tout est déjà fait, il y a toute une structure, puis je ne peux rien négocier des formes de ces structures qui sont négociées par la société qui les possède. Mais là, en mettant ensemble la possibilité de structurer un langage, une description, un classement des articles, des textes, des mots-clés, etc., avec IEML, avec la possibilité de penser ensemble des chaînes éditoriales, avec la possibilité de penser ensemble justement qu'est-ce qu'un contenu, est-ce que c'est seulement l'article ou bien une thèse, un exemple, une référence bibliographique, ou bien une personne, et comment je peux faire de la revue cet espace dans lequel nous évoluons. Ce qui était, pour mettre le numérique, comme le fait aussi Pierre, en continuité avec une tradition quand même assez longue, ce qui était d'ailleurs l'objectif des premières revues savantes quand elles sont nées. Hein. C'était l'idée de créer un espace de discussion qui ne pouvait pas être limité simplement au fait on se voit. Donc, c'est génial, on peut écrire, on peut publier, et donc on peut faire parler une communauté savante au-delà des contraintes d'un espace physique. Et là, c'est la même chose, ce processus de virtualisation, comme tu l'appelais dans ton livre sur les virtuels du monde, nous permet de virtualiser l'espace où nous nous rencontrons pour discuter de science en une revue imprimée et maintenant dans une revue qui peut utiliser aussi un système de classification intelligent et une sémantique, une syntaxe, etc. Bien, merci beaucoup pour cette discussion. Au nom de la Faculté des Arts et du département de communication de l'Université d'Ottawa. Donc, merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions. We will now take your questions from the audience. You may ask your questions in English or en français. There's a mic just in the middle there, so you can just stand up and go right there to ask. And please don't forget, if you're tweeting, please don't forget to use hashtag doctoral conference. Well, thank you very much.
Is this on? Always the question. Thank you very much for your very invigorating discussion. I wanted to start with an example that I found particularly striking from the beginning and use it as a question about something you spoke about at the end. At the beginning, Professor Vitaly Rosati gave the example of ordering a book from Amazon. And as you order the book from Amazon and you type in your order, you're adding to Amazon's database. And in the process of adding to the database, you're changing the relationships within the database. I think that something like this happens each time we speak. I mean, in every case, as we speak, we're constantly changing what words evoke for people, which is a question of meaning and semantics, which gets me to the second part of my question. So over the course of a conversation, I use a word, and then you use a word, and then I use that word again, and we toss the word back and forth. And each time the word means something slightly different, because I have to take your use into account, and then you have to take my use into account. And over the course of, say, an hour and a half, as two people talk, we hear the words numérique, authentique, humain, machine. These words come to mean something slightly different. Or to give a more dramatic example that I've been thinking about this paradox for a long time, the more dramatic example I give is the word father for Luke Skywalker at the point in The Empire Strikes Back where he learns who Darth Vader is. It's the same change in meaning where suddenly it evokes something radically new. And so the question I had was, how do you, through IEML, how do you account for these uses that are both collective and idiosyncratic in the way that meaning is produced? That's an easy one. Okay. So, thank you for this very interesting question. I think that there are several levels in semantics. One level is, let's say, the purely linguistic level, where the meaning of an enunciate, how do you say, an énoncé, a statement. Well, the meaning of a statement depends on the meaning of the words in the dictionary of English, say, and the grammar of the English language. Okay. This could be recognized by any speaker. Okay. This is the linguistic meaning. And then you have the pragmatic meaning that comes from the context and the shared history of the people that are in communication. So the computing of the meaning in IML is guaranteed at the linguistic level. If you want to take into account the pragmatic level, you will use statistical algorithms or the memory of the interactions and so on. But at least the linguistic level would be secured, let's say. That's my point. So you have to distinguish different levels. And here I don't go into all the very complex levels that we can distinguish in meaning or semantics in general. But what you are speaking about is the pragmatic level, and this would be computed by a different algorithm and not the algorithm that is incorporated into the language. On a une question ici, une question très intéressante de Maxime Lay. Je ne sais pas s'il voudrait poser la question lui-même. Not very tall. Je ne suis pas très grand, donc j'espère que c'est convenient.
Donc, premièrement, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais deux questions, en fait. La première question, c'était que vous avez mentionné le nom, le mot stigmergie. Qu'est-ce que ça veut dire? What is that? Okay. What is the equivalent of stigmergie in English too? What does that mean? OK. Bon, vous pouvez chercher dans Wikipédia ou sur Google. Bon. Et en fait, alors c'est très drôle parce qu'une fois, j'ai répondu ça à un de mes étudiants et il cherche sur Google et là, il tombe sur une vidéo où c'est moi qui explique ce que c'est la stigmergie. Bon, alors, c'est un concept que je n'ai pas du tout inventé, qui a été inventé par les éthologues, c'est-à-dire les gens qui étudient le comportement des animaux, en particulier des animaux sociaux, et dans ce cas-là, plus particulièrement, les insectes sociaux. Donc, c'est le mode de communication des insectes sociaux par l'intermédiaire de leur environnement physique. C'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas en s'envoyant des messages les uns aux autres, mais en laissant des traces dans leur territoire commun ou en construisant ensemble les termitières. Donc, il y a une dimension architecturale là-dedans qui est très importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne laissent pas que seulement des traces, d'accord ? C'est des phéromones, il y a différents types de phéromones. Il y en a qui veulent dire « Ah, quelque chose de bon à manger », d'autres qui veulent dire « Attention, attaque par une autre fourmilière », etc. Donc, voilà, c'est communication collective, coordination collective par l'intermédiaire de traces qui sont laissées dans un environnement partagé. Et je pense que dans Internet, nous communiquons de plus en plus de cette façon-là. Puisque à chaque fois qu'on fait un like, à chaque fois qu'on fait un retweet, à chaque fois qu'on achète quelque chose, à chaque fois qu'on s'abonne, à chaque fois, en fait, tous nos comportements transforment la grande base de données mondiale, même si on ne s'en rend pas compte. Et je crois que c'est très important de s'en rendre compte, notamment pour des questions d'éthique, enfin de responsabilité. Nous sommes tous responsables de cet espace commun parce que nous contribuons tous à le transformer. Et si je peux ajouter une chose sur Stigmergie, qui est un concept que j'utilise aussi, donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que le concept implique que la structure détermine les comportements, mais les comportements déterminent la structure. Donc c'est une espèce de boucle récursive. Alors typiquement, les comportements d'un banc de poissons. Est-ce qu'il y a d'abord le banc, puis chaque poisson qui tourne, ou est-ce qu'il y a d'abord chaque poisson qui tourne, et puis le banc? Et en fait, c'est là où ça me semble très utile pour comprendre cette difficulté d'identifier la différence entre homme et machine. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le poisson tourne un rond et donc il y a un rond qui apparaît, parce qu'il est vrai aussi que le poisson tourne un rond justement parce qu'il y a un rond qui est fait par son même mouvement. Donc, ce type de comportement-là illustre bien les rapports entre un environnement et un comportement individuel et met en question la séparabilité de l'individu par rapport à son environnement. C'est ça qui me paraît bien aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, il y a une symbiose individu-collectivité et collectivité-environnement. Il faut penser tout ça en même temps et c'est une boucle et tout ça est un comportement émergent. On ne peut pas dire ça c'est le début, ça c'est la cause, ça c'est la conséquence. C'est un cas de causalité circulaire classique. Merci. Now, second question in English, if that's okay. We've mentioned that structures can influence or change behavior. So would you say that the deep web, which is much more, I guess, you have a sort of sense of more of a sense of privacy, than on the surface web, would those interactions on the deep web be more meaningful or more authentic than on the surface web? I would avoid the idea of authenticity, as I was saying. I would say that the level of visibility actually has an impact on what you do. That's true even out of the digital world. I mean, what you do in your house is different from what you do here in a public room in a university. It's different what you do in the street and so on. So the problem with the deep web, I think, is that we don't actually understand what is visible and what is not visible and how.
on the web, because we don't have the literacy for the moment. So what is difficult to understand, I completely understand here that I am in a quite public space. Okay, it's not completely open, but I have to watch my language. I am in a university and so on. But for instance, I don't understand an anecdote, just to be clear. When I speak in a classroom, actually I have to understand that the space of the classroom is digital and that I can be heard by, for instance, a student recording me and tweeting, live tweeting what I'm saying. So the frontier, the boundaries, the walls are changing. And that's the same thing within the web. I mean, we don't understand all the time what I put on Facebook is private or not. Actually, yes, my friends, but how exactly the algorithm works? I don't know. And the same thing, so the deep web, I would say, what is interesting about that is to have to improve our literacy about what is visible and what is not, how I can produce privacy, how I can do things which stay private and not visible for everyone, how I can structure the boundaries, the walls and the windows around me. So it's not true that all that I do in private is more authentic than what I do in public. I think I'm really authentic here and I'm in a public place. But it is different from what I do when I am with my girlfriend in my house. I mean, I have to understand where I am, and I have to be free to set the rules of visibility as I want. But the first thing is to understand them. Thank you, merci. Are there other questions? Yes. J'ai une question pour professeur Lee, et deuxième question pour professeur. On peut pas vous en, c'est ça, oui, de parler micro, dans le micro, voilà. S'il vous plaît. Vous m'entendez? Pas très fort, oui. Pas très fort, oui. Comme ça, c'est mieux. OK, j'ai une question pour professeur Lévy et deuxième question pour professeur, oui. Alors, donc, c'est une question très simple. En fait, quand on apprend une langue étrangère, naturelle, on apprend grammaire. Si IOML, c'est une langue, nouvelle langue, si je vais apprendre, ça veut dire que je dois apprendre le grammaire. Ça, c'est une question. Si c'est ça, si on apprend grammaire de IOML, ça doit être peut-être pour moi un coréen qui est programmé par les gens qui veulent introduire le concept de IOML de chaque côté grammatical. Et je me demande si c'est ça, je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, ça veut dire que chaque langue qu'il y a une caractéristique et aussi la culture ou plein de choses, on comprend des manières différentes par rapport aux autres. Si c'est ça, je pense que même si IOML c'est programmé pour computation, mais il y aura quand même des décalages ou différences entre les langues parce qu'on apprend grammaire différemment. Donc ça, c'est ma question. Et deuxième question, c'est pour le professeur... Je ne me souviens pas votre nom. Vitaly Rosati, ce n'est pas grave. Alors, donc, c'est un concept très intéressant. Donc, vous avez dit que c'est l'autorité et c'est une qu'est-ce que c'était non structural organization yeah ok donc j'aimerais savoir votre concept si jamais je voudrais comprendre avec le concept des professeur Lévy qui a introduit dans le livre des sphere sémantique. En fait, le human development qui est composé par trois choses, c'est les signes et être et choses. Et je ne sais pas comment on pourrait conceptualiser votre concept dans cette dimension de human development. Je pense que c'est le côté d'être avec l'éthique et puis le social capital. Je veux dire que c'est milieu, votre concept d'autorité, mais je ne sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas la question, mais enfin bon. Bon, alors je vais peut-être répondre à la question sur IUML. Bon. Donc, toutes les langues ont une grammaire différente. D'accord.
donc IEML aussi. D'accord ? Ça n'a pas l'ambition de... Enfin, je n'ai pas l'ambition de dire, voilà, c'est une langue qui va remplacer toutes les autres. C'est une langue pour la communication avec les ordinateurs. Mais ce qui est important, c'est que les nus... Bon, d'abord, qui va apprendre IUML en tant que langue, qui va apprendre à s'en servir, qui va apprendre à la connaître, qui va apprendre la grammaire d'IUML, ça va être une petite minorité de gens. C'est les power users. Parce que la majorité des gens vont voir les choses dans leur langue naturelle ou dans la langue naturelle qu'ils auront choisie. D'accord ? C'est un langage qui va être sous-jacent. C'est celui sur lequel les ordinateurs font le calcul. Ce n'est pas forcément ce qui va apparaître à l'utilisateur. Et d'ailleurs, il pourrait aussi apparaître des icônes ou toute autre sorte de représentation. D'accord ? Donc, c'est seulement pour les power users. Et maintenant, pour la question de savoir si toutes les nuances spéciales de choses que l'on pourrait dire en coréen ou en japonais ou dans d'autres langues pourraient être traduites en IEML, ben, la réponse est oui. Parce qu'en général, de toute façon, on peut toujours traduire une langue dans une autre. Et IEML est fait de telle sorte qu'on puisse facilement traduire les particularités d'une langue en IEML. Bien sûr, ça va être avec, par exemple, une expression plus longue ou plus courte. D'accord ? Ça ne va pas être un parallélisme parfait. Maintenant, pour ta deuxième question, j'avoue franchement que je ne la comprends pas, mais peut-être... Non, moi non plus, mais désolé, mais surtout parce que, oui, je n'ai pas bien compris non plus comment fonctionne ton paradigme, donc j'avoue. Ben, c'est-à-dire, juste... on n'a pas la slide ici, non, donc voilà. Donc, mais c'est une bonne question, on pourra rediscuter. Toi, tu m'expliques les paradigmes pour essayer de placer l'autorité. Désolé. Oui, j'ai reçu ici une question sur Twitter pour vous. J'imagine que c'est quelqu'un qui suit un cours de méthode. Parce que bon, la question est en anglais. What about the distinction between quantitative and qualitative methods in social and humanities research? Est-ce que ça tient encore dans ce monde numérique? Je dirais que ça, oui et non. Oui, alors oui, dans le sens que il y a toujours besoin d'une interprétation pour produire l'essence. Et donc, la quantité toute seule ne produit pas d'essence s'il n'y a pas un côté qualitatif. D'autre part, il est vrai que dans l'espace numérique, les deux méthodes ont tendance à être de plus en plus, à fonctionner de plus en plus ensemble. Alors, selon moi, il ne faut pas trop se concentrer sur cette division, sinon on arrive aux aberrations théoriques du type du big data, qui voudrait que la méthode quantitative à elle seule soit capable de produire le sens, en masquant le fait qu'évidemment, derrière l'interprétation quantitative, il y a une interprétation quelconque, parce que quelqu'un a bien écrit l'algorithme et est parti d'un principe ou un autre. Donc, j'ai l'impression que les deux vont ensemble et que dans toute méthode quantitative, il y a du qualitatif et que dans toute méthode qualitative, il y a du quantitatif. Peut-être c'était vrai même avant le numérique, avant les algorithmes, et peut-être cette division fonctionnait pas si bien que ça avant, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est particulièrement clair que les deux choses convergent, qu'il y a toujours du quantitatif, il peut toujours y avoir du quantitatif. Oui, je peux... Oui, bien sûr, ça sera notre dernière question, cependant, pour qu'on puisse ensuite de ça y aller avec le cocktail. Okay. Quoi? Ben, j'espère. Je voudrais revenir au récit biblique de la tour de Babel. Et Pierre, c'est que ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que là, il y a beaucoup de choses
qui nous parle aujourd'hui, même si c'est très ancien. Et il y a, bien sûr, dans ce récit, l'idée d'une langue universelle. Donc, un peu l'ambition de Pierre avec IML, non ? Cette idée d'une langue universelle. Mais, à la fin, l'histoire finit très mal. Parce que finalement, ça ne marche pas. Et il y a, dans ce récit, l'explication pourquoi on parle différentes langues. Langues. C'est ça, parce que bon, finalement, ils ont essayé de faire une chose qui n'est pas bien, c'est d'aller faire la guerre là-haut. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que peut-être vous voyez la possibilité d'une régression ? Parce que là, on avance vers cette langue universelle grâce, entre autres choses, à la technologie. Est-ce que vous voyez aussi le risque d'une régression à un certain tribalisme de langue ? Bon, alors, si... Bon, bien sûr, ce n'est pas une objection rationnelle. Hein. Tu me cites un texte sacré, là, une histoire mythique. Enfin, bon, mais... ceci... Ah, là, on pourrait en discuter. Bon, mais je reconnais qu'il y a une certaine, et là je fais appel à la tradition grecque, une certaine hubris, une démesure, un orgueil excessif dans l'idée de faire, de construire une langue universelle, non seulement pour tous les êtres humains, mais en plus pour les humains et les machines, etc. Bon, d'accord. Mais en même temps, moi, je réponds d'une certaine façon à un besoin. C'est-à-dire que si on a un système de métadonnées qui peut être calculé par les ordinateurs, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de bien. C'est comme si tu disais, bon, au fond, on n'a pas besoin de métalangage documentaire pour organiser les bibliothèques. D'accord ? Mais là, on a une bibliothèque mondiale. Donc, pourquoi ne pas imaginer un métalangage à l'échelle de cette bibliothèque et en utilisant tous les outils ? Bon. Maintenant, oui, la tour... Mais je reviens à la Bible. Parce que tu penses bien que je la connaissais, celle-là. C'est que, d'accord, tout le monde parle un très grand nombre de langues, mais moi, je ne veux pas empêcher les gens de parler leur langue naturelle. Je ne suis pas du tout contre la multiplicité des langues. Et après la tour de Babel, au moment de la révélation au Sinaï, la loi est donnée dans toutes les langues et tout le monde la comprend. Il n'y a qu'une seule loi, mais tout le monde comprend. D'accord ? Dans l'interprétation talmudique, il y a 70 ou 80 langues différentes qui sont faites au moment de la proclamation. Donc ça, c'est pour les Juifs. Maintenant, pour les chrétiens, il y a la Pentecôte, c'est-à-dire le moment où la voix qui vient du ciel est comprise par chacun dans sa propre langue. Ce n'est pas qu'il y a une seule langue pour tout le monde, mais c'est que tout le monde comprend ce qu'il y a, l'information essentielle, dans sa propre langue. Et donc, même si ce n'est pas rationnel, je suis justifié par la tradition. Voilà. Donc, merci beaucoup pour les discussions. Peut-être une petite main d'applaudissements avant de terminer. Merci Jacques. Ah, magnifique.
fan de foot. Ah, fantastique. Ah, c'est, ouais, c'est très beau. Très, le très mug. Beau. Non. Très beau. En plus, j'ai jamais de... Même pas. Donc là, je vais rentrer au bureau avec celle d'Ottawa. Ils vont... Merci beaucoup. C'était d'excellentes questions. Et merci. Oui. Oui. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.